Elle est venue, je ne pleure pas. Je n'avais pas le choix. Elle est venue, je prends pour vous faire ça. Salut monsieur. Jean 2, bonjour. Je suis résumé. Benoît, c'est comment? Benoît. Ça va arriver tout à l'heure. Ouais. Arriver tout à l'heure. Pas trop fatigué? Non, ça va. Je me suis entretenu. J'avais entraînement jusqu'à samedi. Samedi matin, je n'ai pas joué. Ouais. Après, je suis arrivé. Ok, félicitations pour la montée. Ah, c'était une longue saison. Et ouais, très éprouvante. C'est pas le même style de jeu en deuxième division qu'en première division. Ouais. Mais avec un peu de chance, on a su se qualifier dans les dernières minutes du match. Tu es resté quand même avec tes copains, tu étais au stade, à la tribune, tout ça? J'ai pas été sur la pelouse, mais je suis resté dans la tribune. Parce que, bon, même si cette année c'était mon équipe, mais j'étais plus content pour eux que pour moi. Parce que certains d'entre eux vont rester dans ce club et c'était important pour eux qu'ils soient en première ligue la saison prochaine. Alors, comment tu as trouvé tes copains ici en sélection? Qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu es arrivé? Bonjour. C'est ce qu'on m'a dit. Tu prenais quand même des nouvelles depuis le début du stage? Ouais, je suis en contact avec quelques joueurs, donc on parle. J'ai demandé comment étaient les installations, tout ça. L'herbe est nickel, donc ça va, c'est le plus important. Tu te sens déjà en ambiance Coupe du Monde, là? Pas encore, car j'ai pas encore fait de match, donc... Je ne peux pas encore me sentir dans cette ambiance. Pour l'instant, c'est que de l'entraînement, donc on attend encore un peu. Ça te rappelle l'Autriche il y a 4 ans? Non, on va dire qu'il y a moins... On va dire qu'on a beaucoup travaillé sur les problèmes entre nous. Le groupe vit mieux qu'il y a 4 ans. Merci. Mais après, t'arrives à interviewer.